Pourquoi toute cette histoire de musique avec les chevaux, Gilles ? Bah, tout simplement, bonjour d'abord, tout simplement parce que l'équitation, je crois que c'est une histoire avant tout de rythme et d'équilibre, et que mêler la musique et le cheval et l'entraînement, je crois que ça peut apporter quelque chose. Alors je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais je pense comme les énergies non renouvelables, quand on ajoute des petites choses, ça apporte des idées, ça apporte des fois des solutions, et ça nous fait découvrir des choses. Alors ce qu'on a pu découvrir, parce que j'ai déjà fait une expérience avec Thomas, j'ai eu cette chance, c'est que j'avais fait une expérience aussi avec Barbirossa, qui est une guitariste. Ce que je me suis aperçu dans le travail du cheval, c'est qu'on, nous, en tant que cavaliers, on devient de plus en plus naturel, et on les embête moins, et puis finalement, on leur demande des gestes et des exercices qui sont sur la musique, qui plaisent aux chevaux et qui les font progresser sans coercition, avec plaisir, parce que déjà, nous, on en prend. Donc c'est déjà, si ça n'apporte que du plaisir, c'est juste ce qu'on recherche. On n'a pas la prétention de penser que ça va vous faire monter mieux à cheval, mais quand on monte avec plaisir, généralement, on monte déjà mieux.